dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je pas. Amen. Nous tous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom à tout le monde. Amen. Merci d'être ici. Et avant de commencer la parole, je vais donner la place à mon cadet de venir saluer l'église. Il est un proche appel mon frère. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si on peut encore acclamer très fort la gloire du Seigneur. Et acclamer également qui sont en même des serviteurs qui sont les villageois pour le roi et moi. Et même Amen. Alors je suis votre humble frère, le pasteur Israël, du tabernacle des élus. C'est un honneur pour moi de venir recevoir l'ancien. Amen. Voilà, c'est un honneur. Quand l'ancien est dans la ville, l'un des anciens est incontestable. Dieu l'apporte. Moi, je l'appelle l'ange du dessus. Parce qu'il fait la fierté du Gabon jusqu'à l'extrémité du monde. Alléluia. Je l'ai absenté à Libreville lors de la dernière convention. Et vraiment, quand j'ai appris qu'il était là, j'ai vu, hier, ça avait été publié, et j'ai décidé, moi-même, de venir honorer la présence de l'ancien dans la ville. Amen. Et le nom du Seigneur soit béni. Quand Dieu est béni, c'est Dieu est béni pour vous. Je l'ai suivi aussi à l'internet lors de la dédicace. Oh, c'était merveilleux. J'ai dit voilà, j'ai aussi un petit frère qui peut nous remplacer quand nous serions partis. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Merci beaucoup et que Dieu bénisse le pasteur. Amen. Qu'il bénisse chacun de vous. Amen. Si vous dites pas Amen, je m'en vais. Je vais prendre encore un Amen. Voilà, c'est comme ça. Ce sont les êtres vivants. Amen. Si vous vivez, il faut faire des émotions, manifester des émotions. Amen. C'est pas ça? Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles ce soir. Dans le livre de Jean, chapitre 11. Et après avoir lu Jean, chapitre 11, nous allons repartir dans Genèse. Je vais lire Esaïe, chapitre 61. Jean, chapitre 11. Et nous commencerons la lecture à partir du verset 38. Jean, chapitre 11, 38 et le 39e verset. Amen. Nous lisons tous. De toi, Jésus, frémissant dans le nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre étaient placées devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Amen. Et je veux que nous puissions prendre d'abord le verset 34 pour aujourd'hui. Allons-y. 33 et 34. Allons-y. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fit tout tenir. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Amen. Amen. Ok, Seigneur, bénis ta parole et rends la vie à tous ceux qui vont la recevoir. Amen. Non pas sois-tu ici comme nous sommes entrés, mais laisse que les anges de Dieu descendent ici. Amen. Et commence, Seigneur Dieu, à acclamer Dieu avec les ailes. Afin que nous puissions recevoir ce vent nouveau venant du ciel. Amen. Que Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, Père, amène au milieu de son peuple. Bénis tous tes enfants, bénis ceux qui ont prié pour moi, bénis ces moments, Seigneur. Touche le cœur de tous ceux qui sont les vôtres, Amen. Qui peuvent entendre quelque chose venant de toi, Amen. Que tu puisses les amener pour écouter la parole. Amen.
Je veux que tu répandes l'onction spéciale de la guérison dans la salle. De manière à ce que personne ne va sortir ici comme il est entré. Que les malades soient guéris, les démons chassés. Amen. Mais les maladies incurables, que cela puisse être soumis à l'autorité. Et que Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Nous t'adorons, nous te remercions, toi l'incomparable, le tout-puissant, le Seigneur et Dieu de Dieu, celui qui est au-dessus de tout ce qui existe. Amen. Merci pour avoir un Dieu comme toi. Amen. Un Dieu qui ne choue jamais. Amen. Un Dieu qui ne déçoit jamais ses enfants. Amen. Un Dieu qui répand la bénédiction en abondance. Amen. Un Dieu qui sonde le cœur, qui sonde les mains. Amen. Et qui donne la solution aux problèmes non exprimés. Amen. Merci Jésus pour cela. Et bénis chacun de nous. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Merci pour vous asseoir. Salut le frère. Je la France. Tu vas bien? Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Alors que nous sommes assis, nous allons prendre Ésaïe 61 et nous allons lire à partir du verset 1er. Ésaïe 61, premier verset. Nous pouvons lire. Allons-y. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Nous disons jusque là. Amen. Parce que Fabalan dit que cette écriture concerne la première et la seconde venue. Hein? Et la deuxième partie de verset 2 pour publier une année de grâce du Seigneur, c'est pour les gens des nations. Un jour de jugement, un jour de vengeance de notre Dieu, Fabalan dit, ce n'est pas pour les Juifs. Donc, à l'intérieur, il y a le ministère du Seigneur Jésus pour la première et pour la seconde venue. Si vous croyez cela, donnez-moi un amen. Amen. Alors, comme je vous avais dit la fois passée, nous allons commencer un petit service de réveil qui nous amènerait à prier aussi pour les malades. Parce que le réveil, c'est l'action de Dieu en puissance. Amen. Et chaque personne doit aimer le réveil. Amen. Le réveil ne veut pas dire ajouter encore un plus un grand nombre de gens dans l'église. Il faut même dire que le réveil consiste à réveiller ce que l'homme possède. C'est pourquoi il peut prendre l'exemple de la mer. Et vous voyez, une fois la mer peut être secouée avec des vagues, et vous allez trouver que les choses sales qui étaient au milieu de la mer, à cause de ces vagues et ces secousses, vous allez les trouver tous dehors. Amen. Pourquoi? Parce que la mer était en réveil et cette mer-là était en train de chasser les mauvaises choses qui étaient à l'intérieur de ces eaux. Amen. C'est comme ça avec le croyant. Un chrétien doit avoir le réveil tous les jours. Amen. On doit confesser, on doit chasser les mauvaises choses, on doit guérir les cicatrices intérieures, ce qui traîne dans le cœur de l'homme. Les mauvaises choses qui amènent l'homme à murmurer, l'homme à crier n'importe comment, à parler n'importe comment, à critiquer, à pouvoir faire des choses qui sont mauvaises, ces cicatrices internes-là doivent être guéries par la parole. Amen. Amen. Quand un homme se sépare de la parole, cet homme-là s'est séparé de Dieu. Amen. Si vous croyez à cela, donnez-moi un amen. Amen. Alors aujourd'hui, je parlerai sur où l'avez-vous enterré. Amen. Amen. Mais avant d'y arriver là-bas, je voudrais vous donner un préfet sur ce que j'avais parlé hier. En parlant de la grande vision, l'écriture que nous allions lire dans Exode chapitre 3, en particulier verset 3. Et je vous ai montré
que notre frère Moïse était en train de perdre le troupeau de son beau-père. Mais lorsqu'il était dans le désert, il y a eu quelque chose d'inhabituel qui était apparu devant lui. Et la chose, c'était une grande colonne de feu qui était dans un buisson, mais le buisson ne se consumait ou ne se brûlait pas. Cette chose surnaturelle attira l'attention de Moïse. Pourquoi? Parce qu'il était d'abord un scientifique. Moïse avait appris la chimie en Égypte d'après William Branham. Donnez-moi un amen. C'est-à-dire, c'est la bouche autorisée. Amen. Tout ce que le messager a dit, nous croyons et nous disons amen. Amen. Lorsque cette colonne de feu attira l'attention de Moïse, Moïse s'approcha pour voir exactement qu'est-ce qui était dans ce feu-là. Et la Bible nous montre que de ce buisson, de ce feu, une voix est sortie et la voix a dit: Moïse, Moïse, ne t'approche pas d'ici, entre tes chaussures, parce que le lieu sur lequel tu te trouves, c'est une terre sainte. Amen. Vous remarquez, dans le feu, il y avait un homme. Parce qu'il ne peut pas avoir une voix sans un être humain. Donc à l'intérieur de ce feu, il y avait un homme. Oh, gloire à Dieu. Mais il ne se brûlait pas. Notre Dieu a pu être fait dévorant. C'est pourquoi nous croyons que quand ce feu-là arrive dans le cœur d'une personne, ça doit changer l'homme. Ça doit transformer toutes les intentions, tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais, doit être brûlé par le feu du vin. Et quand vous chantez le feu du vin, brille dans mon cœur, le feu du vin, brille dans mon cœur, le feu du vin, brille dans mon cœur, le feu du vin, brille dans mon cœur. Quand ce feu-là arrive dans ton cœur et ça va enlever la colère, tu ne veux pas. Colère n'est pas un héritage. Les gens viennent commencer à sortir tout de suite là. Et si vous ne m'attrapez pas, je parlerai en langue. Béni soit le nom d'Élohim. Ce feu du vin, ce grand feu là, cette grande colonne de feu, à l'intérieur il y avait un être humain. Et cet être humain là connaissait même le nom de Moïse. Et il vous connaît aussi ce soir. Il connaît le besoin qui est dans ton cœur, même si cela n'est pas exprimé. Dieu connaît vos besoins. Il entend vos cris. Il voit vos soucis. Et il connaît comment est-ce qu'il va vous répondre. Et tu es descendu sur ce buisson. Et tu as parlé à Moïse. Lorsque Moïse a vu ça, vraiment, je ne sais pas, non, juste un tout petit peu, je vais passer. Quelque chose de surnaturel qui a attiré son attention, Moïse a dit, je suis au verset 3 d'Exode 3. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Vous êtes avec moi? Et pourquoi le buisson ne se consume point? Cette partie-là. Pourquoi le buisson ne se consume point? Ça, c'est le raisonnement scientifique. Hein? Parce qu'on lui a appris là-bas, à l'école, que quand le feu est dans un buisson, alors le buisson doit se consumer. Mais il voit qu'il y a le feu dans le buisson, mais le buisson ne se consume point. Et lui-même dit, je vais m'approcher pour voir quelle est cette grande vision. En d'autres termes, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? En d'autres termes, quel est le langage caché derrière cette affaire? Alléluia. Et la Bible dit, l'Éternel fit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, bon, voici, Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Voici, Moïse cacha le visage
Car il craignait de regarder Dieu. Et derrière Dieu dit, c'est là que j'ai toujours aimé, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et ce soir, Dieu voit aussi la souffrance de son peuple qui est à Pochanté. Qu'est-ce qui a tiré Dieu à descendre? Qu'est-ce qui a appelé Dieu à descendre? Qu'est-ce qui a appelé Dieu à changer les dimensions? C'est la souffrance de son peuple. Amen. Il crie. Amen. Ça veut dire que Dieu a créé l'homme pour ne pas souffrir. Amen. Dieu a créé l'homme pour ne pas crier. Pour ne pas être sous la domination de quoi que ce soit. Et de qui que ce soit. C'est pourquoi il est descendu. J'ai toujours dit, s'il a écouté le cri de quelqu'un un jour, il le coûtera aussi beaucoup. Si tu es à compatible pour les souffrances d'un peuple quelque part, qui était dans l'esclavage, si vous êtes dans l'esclavage ce soir, ce même Dieu aussi est capable de tourner le regard vers toi et de te regarder et de te libérer. C'est ce qui va se passer d'ici trois jours. Je commence à me sentir bizarre. Alléluia. Jésus est vivant. Est-ce que vous le croyez? Dites amen. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Dieu a des yeux. S'il n'avait pas des yeux, il n'allait pas voir. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs. Dieu a des oreilles. Amen. Car je connaissais de l'air. Amen, amen. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Amen. Qui représentent les démons. Amen. Qui représentent les maladies. Amen. Qui représentent la souffrance. Amen. Qui représentent les sorciers. Amen. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Amen. Et si les Égyptiens ont capturé votre vie, ils font lâcher prise. Amen. Je dis qu'on va leur mettre la pression. Parce que notre Dieu n'aime pas voir son peuple dans la souffrance. On les mettra la pression par la parole. Ils vont quitter la femme. Alléluia. Que lui soit le nom de lui. Tu t'amènes à cela. Je suis descendu. Et je vous amène dans le pays. Chapitre cananéen. Les Égyptiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éthiens, les Éviens et les Jébusiens. Il arrache un pays, une nation d'un peuple. Amen. Pour donner à son peuple. Amen. Oh. Je peux arracher les bénédictions, je vais dire le poste du travail de ton chef qui est en tête. Et vous les donnez quoi? Est-ce que c'est une idée? Cet homme-là, qui est ton mari qui est parti là, Dieu est capable de semer les ordres là où le mari est parti pour l'année prochaine. Et nous croyons un Dieu de paradoxe. Je deviens un Dieu de miracle. Un Dieu qu'on ne peut pas comprendre. Un autre Dieu puissant dans la bataille. Je ne vais pas aller trop loin, je vais vraiment couper parce que je sens qu'il est là. Alléluia. L'environnement est meilleur de votre main. Alors la question de Moïse était de savoir quelle est cette grande vision. Yes. Et je vous ai dit que ce que Moïse voyait, Amen. Et puissant là qui était en fait, Moïse voyait lui-même. Puissant là c'est Moïse. Amen. Et le fait là c'est Dieu. Amen. Donc Dieu voulait montrer à Moïse que moi l'Éternel je descendrai en toi. Amen. Et nous allons en Égypte pour libérer. Amen. Moïse, alléluia, je serai avec toi, je t'accompagnerai. C'est pas que tu es là et Moïse est là, ils vont marcher. Tu es dans tous les âges, mais il aime partager un corps avec l'homme. Parce que l'homme dans tous les âges, il est un enfant de Dieu. Si vous croyez, c'est la donner la main. Excusez-moi de vous demander des amens parce que je suis en train de les amens. Je m'arrachais les amènes dans la bouche de quelqu'un. Amen. Ils ont mis quelque chose dans la bouche et la porte. Et après, je vais partir dans mon sujet. Excusez-moi. Frère, nous est ici. Dans tous les âges,
Dieu, paragraphe 54, la brochure étroite de la porte. Il dit ceci. Il ne pouvait pas, par exemple, croire que Dieu était dans cet homme-là. Pour lui, le plus grand obstacle à surmonter, c'était le fait que lui, qui était un homme, se faisait pourtant Dieu. C'est ce que les pharisiens et les israéliens pensaient de Jésus. C'est pourquoi ils étaient scandalisés. Et les messagers disaient, ils ne pouvaient pas voir comment Dieu pouvait habiter dans la chair humaine. Et dans tous les âges, de tout temps, Dieu a toujours habité dans l'homme. Amen. Amen. Je ne vais pas dire avec l'homme, je dis dans. Quand frère madame dit dans, ça veut dire à l'intérieur. Vous êtes avec moi? L'homme est l'agent de Dieu dans chaque génération. Dieu parle à son peuple à travers des lèvres humaines. Il choisit toujours quelqu'un ou quelque chose qu'il peut utiliser. Dans tous les âges. Dieu a toujours habité dans l'homme. Vous croyez à cela? Prenons encore quelque chose. Je vais dans la brochure, la brèche, je crois. Donc Dieu caché des regrets dans le sens. Je vais lire quelque chose ici. C'est le prophète qui parle. C'est pas si. Et que Dieu est entré dans Moïse. Dieu habita dans Moïse. Dieu habite toujours dans l'homme. Amen. Et j'aimerais que vous puissiez croire cela. Ça dit, quand vous voyez un homme loin ici à la chair en train de vous prêcher, c'est Dieu caché et volé dans un homme. Si vous ne croyez pas ça, Dieu ne pourrait rien faire pour vous. Amen. Parce que Dieu partage toujours au travers de tous les âges, il partage toujours un corps avec un être humain. Amen. Lui, l'esprit vient habiter dans un homme de chair. Amen. Quand l'homme parle, c'est Dieu qui parle. Amen. Quand l'homme agit, c'est Dieu qui agit. Amen. Parce que c'est ce qu'il a toujours fait au travers des âges. Amen. Si vous croyez à cela, donnez-moi le nerf. Alors, j'aimerais que vous puissiez saisir quelque chose juste avant de pouvoir parvenir à notre sujet. Où l'avez-vous enterré? Avant la chute de l'Adam. La chute de l'homme depuis l'Éden, je suis dans la Genèse, celui-ci était Dieu de la terre. Et Dieu était le Dieu de l'univers. Dieu a donné la terre à l'homme pour diriger, pour contrôler toutes choses, pour donner les ordres. Et tout ce qui existait sur la terre obéissait à l'homme parce que l'homme était son Dieu. Amen. Amen. C'est le pouvoir que l'homme a reçu de Dieu. Amen. Et Dieu a donné à l'homme trois grands pouvoirs. Juste. Trois grandes capacités. Amen. Premièrement, la capacité de dominer sur toutes choses. Amen. Deuxièmement, la capacité de vaincre toutes choses. Amen. Et le pouvoir de nommer les choses. Amen. C'est pourquoi, quand Dieu a créé tout ce qui existait, les animaux, les oiseaux, c'est pas Dieu qui a donné le nom à ces choses. Mais Dieu a appelé le Dieu de ces choses-là pour qu'il puisse les nommer. Et quand Adam donnait le nom aux animaux, le Dieu du ciel et de la terre a créé ce que Adam disait.
Ça veut dire qu'Adam était un petit Dieu sur la terre. Amen. Et depuis la chute de l'homme, celui-ci avait perdu tous ses droits à la gestion de la nature. Tout ce que Dieu lui a donné, tous les pouvoirs que Dieu Tout-Puissant lui a donné, l'homme les avait perdus. C'est pourquoi la nature ne pouvait plus obéir à l'homme. Et la Bible dit que maintenant la nature gémisse. Elle pleure. Elle est en train d'attendre le retour de l'homme dans sa position. C'est-à-dire la nature même, ce qui nous environne, a toujours été contrôlée par l'homme. Et lorsque l'homme a perdu cette position, alors l'homme ne peut plus avoir la capacité de contrôler la nature. C'est pourquoi la nature gémisse. La nature attend avec un ardent désir de voir la manifestation des fils de Dieu. Sœur, ne vous en faites pas. On a toujours dit, et le prophète a dit que la femme ne prêche pas. Donnez-moi un amen. Amen. Mais quant à la manifestation de Dieu, en ce moment qui arrive, vous êtes inclus entièrement. Amen. Donc cette onction qui amène les enfants de Dieu à manifester Dieu n'est pas seulement pour les prédicateurs. Ce n'est pas seulement pour les frères. Même les sœurs sont inclus dedans. Seigneur, je vous dis ce soir qu'avec l'onction de Dieu sur toi, tu peux accomplir les grandes choses que nous les frères n'ont jamais rencontrées. Amen. Hein? Oh, même moi une femme, oui. Tu peux le faire. C'est pourquoi le prophète dit que là-bas, au commencement, même elle pouvait dire au vent, arrête-toi, et le vent s'arrêtait. Pourquoi? Parce qu'il partageait la même autorité que son mari. En ce moment-là, l'homme et la femme, ils étaient égaux. Amen. Il n'avait pas que quelqu'un de supérieur. Amen. Parce que tout ce Dieu vivait au parent. Écoutez le prophète. Je suis dans la brochure L'imitation du christianisme. Brochure le 20 janvier, 57, je suis au paragraphe 22. Nous lisons le prophète. Fabien dit, Dieu vous a donné à Christ comme cadeau d'amour à cause de son sacrifice. Et vous êtes ramené à Christ par le Saint-Esprit qui vous a courtisé par le sang du Seigneur Jésus, et vous lui avez été offert en cadeau. Tel que vous êtes là, amen. Vous êtes le cadeau du sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Si tu peux changer les formes, c'est grâce à toi que Christ quitte le ciel pour venir. Si l'homme n'était pas tombé, Dieu n'aurait pas devenu cher. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Merci, ma soeur, pour votre apparence. Les autres ne comprennent pas. Si l'homme n'était pas tombé, Dieu n'allait pas changer de dimension pour devenir chair. C'est vous qui avez ramené Dieu à devenir homme. C'est le péché qui a fait que vous devenez, Dieu devienne homme comme toi. Alors le messager dit, et Dieu aime ses enfants. Non, aime ses cadeaux. Et il ne supportera pas de le voir être détruit. Vous êtes le cadeau de Christ. Le cadeau du sacrifice de Jésus-Christ. Jésus est venu mourir à la croix à cause de vous. Et le prophète dit que Dieu ne supportera jamais voir ce cadeau être détruit. Donc, quand nous venons à l'église, chacun doit faire tout son mieux pour ne pas perdre une âme passée comportement. Chacun doit veiller à ce que son comportement ne puisse pas chasser un seul ou une seule de l'église. Amen. Si on vous a dit problème, ça je vous parle du fond de mon cœur. C'est le messager qui a dit, c'est pourquoi il donnait un amen. Bien Dieu aime ses cadeaux. Ces cadeaux, ce sont ses enfants. Amen. Et il ne supportera pas de les voir être détruits. Amen. Dieu ne supportera pas ça. Amen.
Dieu a donné à l'homme le contrôle de toutes choses sur la terre. Amen. Il contrôlait la vie animale. Il contrôlait le végétal. Il contrôlait toutes choses. Et le prophète dit, rien ne pouvait arriver à l'homme parce que l'homme était comme Dieu. Amen. Amen. Et le péché a ouvert une brèche pour permettre à l'ennemi, à l'adversaire de rentrer. Et n'oublie pas que là où l'homme habitait en Éden, on appelait ça, donc sur la terre on appelait ça Éden. Ça veut dire que c'était une église. Amen. Qu'est-ce que le diable fait? Il faut rentrer. Frère Marie dit, Satan lui-même savait que s'il venait comme ça, on allait le détecter. Il faut se servir de quelque chose qui est proche de l'homme. C'est quoi? Le serpent. Qui n'était pas un reptile. Amen. Il n'y a pas d'amen. Amen. Si le diable veut déstabiliser l'église, attaquer l'église, il est difficile d'utiliser quelqu'un de loin. Si vous allez le voir, il fallait qu'il se faufile au milieu des enfants de Dieu et prendre le corps d'un frère ou d'une sœur, il rentre et il commence à agir. Amen. La foi de Dieu, c'est pourquoi j'ai prié le Seigneur parce que nous sommes les aigles. Il se dit, l'aigle a un œil perçant. Donc, peu importe la forme que l'ennemi va chercher à prendre, le vrai Seigneur de l'aigle de Dieu, qui sont dans l'église, ils vont le voir. Quand j'ai dit, on vaincra Satan dans toute cette femme. Peu importe la forme qu'il va utiliser, il sera vaincu. C'est pourquoi. Donnez le temps au temps. Amen. Ne soyez pas pressé dans certaines choses. Soyez ayez un gros cœur. Amen. Vous savez qu'un mauvais comportement, une mauvaise nature, on ne la cache pas. Amen. Voilà, parce que ce n'est pas la vie de Dieu. Amen. Ce n'est pas la nature du Saint-Esprit. Amen. Même si tu caches cela. Show. Comme ce n'est pas Dieu, ça sera manifesté. Peu importe la durée. Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait des efforts pour chasser Judas cette année. Alléluia. Ça va être très bien. Bon, je vais vous dire quelque chose. Savez-vous que Judas Iscariot n'avait pas un démon? Non. Amen. Amen. Mais il était un démon. Il y a une différence avoir un démon et être un démon. Marie Magdala avait des démons. Le fou de Catara avait des démons. Mais Judas Iscariot était un démon. Caïn n'avait pas de démon. Caïn était un démon. Même Esaïe n'avait pas de démon. Mais il était un démon. Celui qui a un démon, on peut le délivrer. C'est parce que la nature de la personne là, c'est l'esprit là de ton père. Alléluia. J'entends pas les amis. Il n'y a pas la même. Le vrai d'Adam était des démons. Il n'en fait pas de démons. C'est pourquoi vous l'avez répété que Elvis Presley était des démons. Le Seigneur a précisé sa musique que ce sont des démons. Ils n'ont pas de démons, mais ils sont des démons. Alléluia. C'est pas aujourd'hui. Tu ne peux pas être un chrétien et aimer les choses du monde. Si la parole du Saint-Esprit est un fou, les choses du monde sont mortes. Tu es un frère dans la parole et permet tu es dans la musique du monde. Tu es dans Fali, Poupa. Ça veut dire qu'en vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous dis la vérité, moi, votre pasteur. Je peux chanter là jusqu'à la sortie. Pour moi, ça me dit absolument. Alléluia.
Et toi? Yes. Amen. À vous un démon et être un démon, c'est différent. Amen. Je crois que ça va aller avec vous à la maison. Amen. Donc vous dites souvent aux enfants, vous avez un démon. Toi, tu es un démon. Pourquoi? Parce que malgré tous les conseils que tu as donné, l'enfant ne change pas. Frère, la nature d'un démon ne peut pas changer. Peu importe combien tu enseignes par contre, peu importe combien tu corriges, peu importe combien tu réprimandes de la mauvaise nature, cette nature-là sera toujours manifestée. Pourquoi? Parce que cette personne-là est un démon lui-même. À l'époque, mais maintenant il y a beaucoup des antéchrists. Il y avait un antéchrist, mais aujourd'hui il y en a beaucoup. Amen. Dieu, c'est la continuité de l'antéchrist, mais tellement des corps différents. C'est ce que je veux dire. Amen. Amen. Alors, on dit ceci. Abouchira. Comment communier? Je suis prêcheur 55 paragraphe 33. Le prophète. C'est là que l'on en est ce soir. C'est Dieu qui donne ça. Alors, l'amour produit une communion. Amen. Or, quand Dieu a dit autrefois, le jour où le péché avait causé la séparation d'avec cet amour divin, Dieu avait dit à Adam et Ève de ne pas manger certains fruits. Mais ils ont mangé ça. Alors le péché avait causé la séparation. Amen. Et le péché, par la séparation, a suscité la haine, Amen. La malice, la dispute, Amen. L'envie. Frère Branham dit, c'est vrai. Amen. Qu'est-il arrivé? Ils se sont séparés de l'amour divin. Suivez maintenant le message. Et quand vous vous séparez de l'amour divin, alors vous ne pouvez plus fermer les yeux sur les fautes de votre frère. Amen. 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 C'est la vérité. Si vous vous séparez de l'amour divin, Amen. Je vais rendre ça clair. Si Dieu n'est plus dans votre cœur, vous ne pouvez plus fermer les yeux aux fautes de votre frère. Amen. Amen. Nous sommes nés dans le péché. Amen. Nous sommes environnés par les atmosphères du péché. Amen. Et nous avons des erreurs tous les jours. Amen. Et Dieu nous pardonne tous les jours. Amen. Si vous ne pouvez pas pardonner, les erreurs d'une sœur ou les erreurs d'un frère, croyez-moi ce soir que vous êtes séparés de Dieu. Amen. Parce que Dieu est amour. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et quand vous vous séparez de l'amour divin, alors vous ne pouvez plus fermer les yeux sur les fautes de votre frère. Frère m'a dit, vous vous mettez à l'enquêter pour ça. C'est vrai. Vous ne pouvez plus fermer les yeux sur les fautes de votre sœur. Parce que vous vous êtes éloigné de cette partie divine, cette partie amour. Mais si vous aimez vraiment le Seigneur Jésus et qu'une sœur ou un frère vous fasse quelque chose, le prophète dit, oh, eh bien, vous direz bien, c'est un autre. Il n'en avait pas l'intention. Frère, c'est le genre d'amour que Jésus a fait. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Amen. Que serait-il arrivé s'il avait retenu mes péchés à ma charge? Amen. Quelle horrible personne j'étais. Mais il m'a tellement aimé qu'il me laisse pardonner. Si Dieu pouvait tenir vos péchés à votre charge,
frère. Même ce petit sujet que je vais prêcher, on peut arrêter la Bible et on prie honnêtement la Bible. Si Dieu pouvait dire que toi, je vous dis la vérité. Amen. Si le Seigneur pouvait projeter le péché de chacun ici, Amen. Et que tous ceux qui sont ici regardent ça, on ne peut pas vous appeler frère. Amen. On ne peut même pas vous appeler soeur. Amen. Parce qu'il y a des choses dans la vie des gens qui le font. Que c'est lui et Dieu qui connaissent. Et lorsqu'on est devant les autres, on donne les apparences d'être meilleur. Alors que si Dieu peut vous sonner, frère, on va sortir ici la tête basse. Amen. Arrêtez-vous et réfléchissez. Amen. Ne faites pour ça, arrêtez-vous et réfléchissez. Amen. Tu connais réellement ta vie, mon frère. Tu connais réellement ta vie, ma soeur. S'il fallait que Dieu puisse révéler votre état d'âme, même étant dans le message, Amen. Même pendant que je prêche là, Amen. Ne pourrez plus vous appeler frère. Amen. Arrêtons-nous là. Et réfléchissons. Amen. Mais le Dieu du ciel et de la paix, Alléluia. Malgré ses erreurs, malgré ce que tu fais tous les jours, malgré les actes que tu poses et t'entends le message, Amen. Dieu vous pardonne. Amen. Pourquoi tu ne peux pas le faire pour une autre sœur? Pourquoi tu ne peux pas le faire pour une autre sœur? Frère, on a dit qu'il vous a envoûté. Amen. Quelle est ta mission quand Dieu t'a envoyé sur la terre? C'est pour faire quoi? Merci. Le temps est fini. L'enlèvement est proche. Il faut crier partout. Nous allons quitter la terre. J'ai serré ça avec. Est-ce que tu es sûr que tu vas quitter la terre? Amen. Tu es droit sûr. La parole, tu ne lis pas. La prière, n'en parlons pas. WhatsApp. Facebook. Miséricorde. Le voyez frère avec les écouteurs, vous pensez qu'il est en train d'écouter le message ou bien frère. Il est en train d'écouter les choses du monde. Je veux dire, les choses qui font rire les gens. Pitié. C'est pas comme ça que Dieu vous a créé. Amen. Chers frères et sœurs, nous avons perdu quelque chose. Amen. Il n'y a pas d'amen? Amen. Mais je vous informe aussi que Dieu est le Dieu de la restauration. Amen. Il est le Dieu de la miséricorde. Il ne laissera jamais son peuple dans cet état. Parce que Dieu est jaloux de ses cadeaux. Alléluia. Amen. Je sais qu'il fera quelque chose. Amen. Vous pouvez me donner un amen? Amen. Continuons la lecture avec le prophète. C'est le réveil. C'est chasser cette attitude négative-là qui est restée en vous. Amen. Et qui ne veut pas vous quitter. Amen. Frère, est-il arrivé s'ils sont séparés de l'amour divin? Dit, et quand vous vous séparez de l'amour divin, alors vous ne pouvez plus fermer les yeux sur les fautes de votre frère. Vous vous mettez à l'engueuler pour ça. C'est vrai, vous ne pouvez plus fermer les yeux sur les fautes de votre frère. Parce que vous êtes éloigné de cette partie divine, cette partie amour. Mais si vous aimez vraiment le Seigneur Jésus et que le Seigneur ou un frère vous fasse quelque chose, oh eh bien, c'est dans l'ordre. Il n'en avait pas l'intention. Vraiment, c'est le genre d'amour que Jésus a fait. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment pouvez-vous imaginer un prophète ouais, comme William Marlowe est en train de prêcher, là-bas derrière, il y a un jeune homme et une jeune femme qui s'embrassent dans l'église. Ne faites pas ça. Je vous demande de ne pas faire ça à l'église. Dans la salle, ils s'embrassent. L'onction descend. Je vous le donne. Dites ce que tu veux sur eux et ça va arriver.
Si c'était vous, que le feu descende. Vous êtes pressé pour condamner un frère, pour condamner une soeur, pour envoyer les gens en enfer. Je pensais que quelqu'un pouvait dire Seigneur, change. Tu sais ce que tu fais dans le sujet, cela arrivera. C'est pas non plus. Nous sautons que ma faute. Il a dit, je vous pardonne. Amen. Vous savez ce que Dieu a dit? Tu as dit à frère madame, c'est ce que je voulais que tu dises. Amen. 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 Quelle preuve que Dieu ne peut pas donner aux frères de l'évangile. Oui. Dieu ne peut pas vous tester pour ça. Vous allez finir les gens. Amen. Tu connais. Je fais les expériences avec lui. Tu sais qu'on appelle le feu. Oh, qui n'a pas le feu? Lorsque tu es avant le Dieu des problèmes, Dieu ne fera pas l'autre. Je crois un amen. Pourquoi? Parce que Dieu a donné la parole pour trancher vos problèmes. Si vous ne le faites pas, c'est la chose qui vous condamnera. Amen. C'est pourquoi poser des actes, c'est bien. Mais arranger les choses. C'est là où il y a des problèmes. Et beaucoup de gens vont manquer le ciel pour le simple fait d'arranger quelque chose qu'il peut faire avec la parole. Amen. Dieu nous aide. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. S'il s'agissait de cette tonnerre, il s'agissait de ceci, tout le monde allait se mettre de moi. Amen. Et tout le monde, ça, c'est la parole. Amen. De là où tout chère. Amen. C'est la partie la plus sacrée de la parole. Parce que je ne prêche pas vos chairs, je ne prêche pas vos corps, je suis en train de viser la personne qui est dedans. Si cette personne qui est dedans est bien à l'image de Dieu, il dira amen à la parole, il va changer. Parce que dire amen, ça veut dire je change. Alléluia. Femme dit, qu'est-ce qui serait arrivé s'il avait retenu mes péchés à la charge? Quelle horrible personne j'étais. Mais il m'a tellement aimé qu'il me les a pardonnés. Quand j'étais imparfait, il m'a pardonné. Amen. Il m'a aimé d'un amour pur. Et quand Adam s'est séparé de ce pire amour qui consistait à garder la parole de Dieu dans son cœur, quand il a fait ça, alors il s'est mis. Ses autres facultés se sont installées. Quand il s'est séparé de l'amour divin, de la communion avec Dieu, Frère Branham dit, il y a eu d'autres facultés qui se sont installées dans Adam. Quelles sont ces facultés? La malice. L'envie. Dispute, la haine et tout le reste. Ça y est, madame. Pourquoi? Parce que c'est séparé de l'amour de Dieu. Ce soir, je voudrais vous certifier que l'homme qui est né de nouveau peut vivre au-dessus du péché. Amen. 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 Quand un homme qui a Dieu dans son cœur peut vivre sans péché. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vit sa vie. Amen. Il y a quelqu'un à l'intérieur qui vit sa vie. Donc lui n'est qu'un corps. Il n'est qu'un corps. Mais à l'intérieur, il y a quelqu'un qui l'influence. Et votre influence ayant le Saint-Esprit à vous, c'est sous des influences positives. Amen. Quelque chose de mal peut arriver. À l'intérieur, il y a quelqu'un qui vous dit, ça c'est pas bon. Amen. Je ne sais pas comment est-ce que vous voulez que Dieu vous parle. C'est vrai que de les voix de ton heure, non. Dieu parle dans le cœur de chacun. Amen. Chaque fois que tu veux sortir de la parole, fais quelque chose qui n'est pas la parole, à l'intérieur, si Dieu il vous parle. Amen. Amen. Ça, c'est pas la parole.
Ça, c'est pas la parole. Ça, c'est pas la parole. Parce que tu parles et communies avec ses enfants. Adam a perdu ces grandes choses à cause de cette désunion entre lui et Dieu. Suivez-moi très bien. Je suis en train de poser, de mettre en vous quelque chose. Ça va vous aider. Parce que si vous voulez connaître ce que l'homme doit être aujourd'hui, il faut voir d'abord ce que l'homme était au commencement. Qu'est-ce qu'il a perdu et comment il a récupéré la chose et qu'est-ce qu'il est devenu? Donnez-moi un amen. Le prophète dit dans la brochure le fondement fondamental pour la foi, prêché le 13 janvier 55 à Chicago. J'ai même lu le paragraphe 7. Nous allons continuer jusqu'à là. Peu importe dans quel état un homme se trouve, il est néanmoins un fils de Dieu. Amen. Amen. Peu importe dans quel état de péché il se trouve. Amen. Combien il est éloigné, il est un fils de Dieu. Mais cependant, il est un fils. Amen. Quand il dit, et Dieu est son créateur. Amen. Amen. Dieu est celui qui l'a créé. Amen. Dieu l'a racheté à un prix. Amen. Peu importe son état, Dieu l'a racheté. Amen. À un prix. Amen. 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 Le prophète continue. Il se peut qu'il n'admette jamais cela. Amen. Il se peut qu'il n'accepte jamais cela. Il se peut que cela ne lui fasse aucun bien. Mais cependant, il est un fils et elle est une fille de Dieu. Amen. Et pourquoi Dieu a-t-il placé l'homme ici? Eh bien, nous pourrions passer beaucoup de temps sur ces pensées. Mais nous ne le ferons pas. Nous allons simplement présenter une idée de base ici pour ce soir. Ensuite, nous allons prier pour les malades. En effet, les prédicateurs en ont peut-être déjà parlé et tout. Eh bien, Dieu, quand il a créé l'homme au commencement, c'est là que je vais venir, ok? Il a créé supérieur à tout ce qu'il y a sur cette terre. Amen. Amen. Il a créé comment? Supérieur à tout ce qui est sur cette terre. Oui, monsieur. Il lui a donné la juridiction de tout sur la terre pour tout contrôler. Il contrôlait les animaux. Il contrôlait les vents, le vent. Il contrôlait les végétaux. Il contrôlait tout. Amen. Suivez. L'homme a été créé un Dieu secondaire sur la terre. Amen. Amen. Il lui a été donné le pouvoir de contrôler tout. Amen. Tous les éléments sur la terre. C'était Adam. Il avait été donné à Adam tous ses grands pouvoirs. Mais alors, le pouvoir qui lui a été donné pour faire son choix, c'est pas là qu'il est tombé. Suivez le messager. Alors Adam pouvait parler au vent et le vent s'arrêtait. Amen. Il pouvait parler aux arbres et les arbres lui obéissaient. Amen. Il pouvait parler à la nature, elle lui obéissait. Il pouvait parler aux eaux, tout ce qui existait, tout obéissait à Adam. Amen. Et bien ça, c'est le commencement de l'homme. Et c'est ce que Dieu lui avait donné comme pouvoir sur toutes choses sur la terre. Et bien, au travers de la chute, il a perdu ce pouvoir. Oui, monsieur. Alors, il est devenu inconscient de cette réalité après avoir perdu sa relation, son amitié et sa communion avec Dieu, avec le Père. Amen. Alors, il a perdu cela. J'y vais et tous ses canaux se sont obstrués et il ne pouvait plus établir le contact. Amen. Amen. Ceux qui sont dans la communication comprennent. Quand il n'y a pas le réseau, votre appel ne peut pas aboutir. C'est ça? Amen. Lorsque le canal de communication des eaux qui
qui quitte le château d'eau jusque dans nos maisons s'est bouché. Vous ouvrez l'eau comme ça, l'eau devient sale. Soit ça ne passe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui fait obstacle. C'est comme ça que le croyant. Si dans votre vie, il y a quelque chose qui fait obstacle, mais si tu parles à Dieu, Dieu ne vous écoute pas. Amen. 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 Tu ne peux pas répondre à quelqu'un dont le canon est obscur. Suivez maintenant ceci. Or, ce que Adam était en Dieu, Christ nous a rachetés et nous a ramenés à cela. Amen. Ce que Dieu avait donné à Adam, Adam a perdu ça dans la chute. Mais Jésus-Christ est venu pour nous prendre et nous ramener à cela. Amen. Abraham dit, or, un rédempteur, racheter quelque chose, c'est le ramener à ce que cela était à son origine. Amen. 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 Il dit, or, Adam ne devait pas tomber malade. Amen. Oui, monsieur. Hein? Amen. Adam ne devait pas tomber malade. Amen. Frère Branham dit, il ne devait jamais mourir. Amen. Ah. Il n'avait jamais de soucis. Il n'avait jamais de chagrin. Il n'avait jamais peur. Il montait simplement dans les bras du Père, juste comme un enfant. Tout lui appartenait et tout ce qu'il demandait, et bien, il l'obtenait simplement. Amen. 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 Il l'obtenait. Tout lui obéissait. Parce qu'il était l'enfant de Dieu et l'enfant était l'héritier de toutes choses. Amen. Amen, amen. Or, lorsque l'homme est tombé, il a perdu cela. Et alors, ce qu'il a perdu dans la chute, Christ est venu comme rédempteur. Frère, dit, vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la raison pour laquelle Christ nous a rachetés? Amen. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la raison pour laquelle Christ nous a rachetés? Amen. Et la frère nous donne la raison. Il nous a donné la vie éternelle. Amen. Il nous a ramenés à la communion éternelle et à la relation éternelle avec Dieu. Amen. Pour être de nouveau ses fils et ses filles. Amen. Pour restaurer ce que Adam avait perdu. Amen. Voilà la raison de notre rachat. Amen. C'est quoi? Être en communion de nouveau avec Dieu. Amen. Avoir la vie éternelle comme Adam. Alléluia. Amen. Et retrouver tout ce qu'Adam a perdu. Amen. Comme au commencement, Adam ne pouvait pas trouver un tombe malade. Dans la restauration, ceux qui ont la foi vont vaincre les malades. Amen. Comme Adam ne pouvait pas mourir, ceux qui ont la foi dans la restauration, ils ne mourront pas. Amen. Je vais aller plus loin, aucun homme ne peut vous sacrifier. Amen. Aucun sorcier ne peut vous manger. Amen. Tout arme forgée contre toi est sans effet. Amen. Tout le plan qui est établi pour toi, pour cette année 2023, est anéanti. Amen. Donc je vais prendre votre main. Amen. Et une seule personne qui a la foi dans une famille peut changer les choses. Tu fais de Joseph de votre famille. Amen. Tu as le mot à parler à ce que tu es en train. Tu as un travail à faire. Amen. Tu as quelque chose à faire avec toi. Amen. Joseph a sauvé sa famille. Amen. Et c'est a sauvé toute une nation. Je ne parle pas de sa famille. Oh, alléluia. Joseph a sauvé sa famille. Parce que sa famille, c'est comme une nation. Amen. Esther une femme. Esther une femme. A sauvé toute une femme à son chiffre. C'est pourquoi son nom et son nom que je peux le dire. Est-ce que tu sais que c'est pour ce moment ici que tu es devenu reine? Que
Vous êtes la lettre de Jésus. Amen. Vous êtes l'épouse de Jésus. Amen. Alors, qui est celui qui est à côté, je suis devenu épouse pour la vie. Les autres ne connaissent pas. Amen. Pourquoi? Elle a fait un bon conseiller. Amen. Il gagne. Tu as dû attention. La raison pour laquelle tu es venu à la cour royale, ce n'est pas le bien matériel. Amen. Tu n'es pas venu ici pour le bien matériel. Amen. Faites attention. Vous n'êtes pas dans le message à quoi les choses matérielles. Cherchez premièrement. Vous serez donné par tes filles le Saint-Esprit dans ta vie. Attire la guérison, attire la délivrance, attire l'élévation, attire la prospérité, attire l'enlèvement, attire la résurrection. Est-ce que tu es capable de donner ma main? Je commence à me sentir fou. Oh, alléluia! Est-ce que tu sais pourquoi tu es devenu l'épouse de Jésus-Christ? C'est pour un but. Alléluia. Comme tu me sens bizarre. Alléluia. Pendant que les grands frères de David minimisaient David, celui-là c'était le meilleur de mon temps. Celui-là c'est un broussard. Il ne savait pas qu'est-ce que Dieu était en train de développer. Pendant que les chants sont en train de venir toucher, tu es déjà frère en train de développer quelque chose à vous. Frère, tous ceux qui vous combattent sauront que vous avez tué. Frère, tous ceux qui vous combattent sauront que Dieu est caché en moi. Quand Dieu a dit, tenez-vous tranquille. Sachez que je suis Dieu. On vous fera le cœur. Jamais. Je suis l'éternel. Je combattrai pour vous et vous gardez le silence. Tu es enseigne. Vous devez développer quelque chose. Allez derrière le doigt. Il y a quelque chose que Dieu est en train de développer. Bientôt Dieu va vous exposer. Quand Dieu verra que vous êtes tellement rempli de vertu, rempli de la foi, rempli de l'onction, de la patience, de la tempérance. Je dis bien, Dieu lui-même va vous agiter. Et rien n'arrêtera cela. Donnez-moi votre main. Oh, je me sens bizarre. Il y a quelque chose dans ton cœur. C'est pourquoi je suis venu ce soir pour vous communiquer la divinité. Et la divinité peut se partager. Le travail sera terminé. Lorsque chacun de vous sera connecté, mon problème est terminé. Quand tu as personne quelque chose, tu ne veux pas plus chez le pasteur. Parce qu'à l'intérieur, il y a un Dieu vivant. À l'intérieur, il y a la connexion. Il parle de rien, Dieu vous répond. Je me sens bizarre. Alléluia. C'est dans la vie maintenant. Le problème est que depuis qu'il a restauré l'homme, il l'a ramené à cette place. L'homme, par la chute, avait perdu la conscience. Et c'est pourquoi Dieu l'avait placé ici sur terre. De ce qu'il devait faire. En d'autres termes, toutes les tuyauteries, pour ainsi dire, notre cerveau et les issues de la foi ont été oscillées par des affaires professionnelles, par la vie de foyer, le ménage. Tout est devenu si obstrué avec cela que Dieu ne peut opérer dans l'homme à travers de ces canaux pour de ces canaux comme il l'avait prévu. Ah. Dieu
vous a restauré. Alléluia. Et quand il vous restaure, il fait que vous puissiez prendre votre position de fils et de fille. Écoutez-moi bien, il n'y a pas de problème qui peut vous dépasser. Amen. Il n'y a pas de problème. Amen. Qui peut vous dépasser. Amen. Et avec la parole, le message que nous avons la capacité de créer. Amen. Oh, je vais pas vous mon bébé, il y a de cela deux jours, trois jours, mon épouse avait les nez bouchés. Bon. À cause de la nuit. Elle a dit à elle, dit, mon Seigneur, il faut que je puisse acheter, comment on appelle ça, c'est combien d'années on grandit là? Ce fixe là qu'on met dans le nez entier. Seigneur, il faut que je puisse en acheter parce que mes nez sont bouchés. Votre Dieu est créateur. Amen. Elle a pensé. Quand elle rentre dans la voiture, elle veut s'asseoir là où elle doit s'asseoir, elle trouve ça là. Je dis, la chose qui était dans sa pensée, c'est qu'elle voulait acheter tous les anges qui sont là. Acheter ce pantalon. Je suis parti à la maison. Après deux jours, je vois un frère qui m'amène le même pantalon. Tu es capable de prendre vos pensées et les exprimer, de me mettre dans une prochaine vie de Jésus. Vous attendez une solution. Chose va se passer ici de Dieu. Si tu prends les amis, quelque chose va se passer. Parce que je me sens bizarre. Et je veux que tu puisses descendre et accomplir les miracles inattendus. Oui, monsieur. Oh, oh gentil, il y a quel problème avec vous? Pourquoi beaucoup de gens, d'autres personnes bénéficient de mon ministère? Et que vous ne pouvez pas bénéficier? Ma fille d'oreille est là, nous faisons la France qui les a. Une femme qu'on a soulevée dans la brouette. Parce qu'elle ne pouvait pas marcher 6 ans. Je suis revenu devant elle, je lui ai tapé la main, je suis de prière, je te lève toi et s'est levé. Marche, elle a marché. Pourtant, elle a couru. Les gens ont donné leur vie. Je veux que nous soyons maintenant une foi. Naturel, quand vous mettez dans la foi. Et j'ai dit la fois passée, si vous croyez que je vous prêche la vérité, il y aura des choses qui se créeront dans la salle ici. Pas demain. Maintenant même. Si vous croyez le miracle, si c'est que Dieu a dit, moi je fais en main et vous dites, je suis capable de le faire. Alléluia. Maintenant que je vois votre foi augmenter, je vais vous donner maintenant la nourriture du jour. Amen. Vous êtes avec moi, donnez-moi une amen. Amen. Maintenant, fais-moi dire que Jésus-Christ ne dirait pas quelqu'un de faire quelque chose que lui-même n'a jamais fait. Amen. Si vous dites vous chassez-les, les démons, c'est que lui-même il a déjà chassé. Amen. S'il a promis que nous serons ressuscités, c'est lui qui est ressuscité. S'il a promis que nous serons enlevés, lui-même a conduit l'enlèvement. Donc Jésus-Christ ne dirait pas que quelqu'un sait quelque chose que lui-même est incapable de faire. Amen. Jamais. Ce que c'est pas dit.
Amen. Amen. Et nous devons retenir que Jésus-Christ est la première germe de tous les temps et de tous les âges. Amen. Et les prophètes ont parlé de lui. Les prophètes ont prophétisé de lui. Amen. Amen. Tout ce qu'ils disaient le concernait. Oui, monsieur. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est la chèvre première de tous les âges. Oui, monsieur. Amen. Amen. Et de tous les temps. Oui, monsieur. C'est quoi? On ne peut pas remplacer Jésus-Christ. Non, non. Je dis bien, Jésus-Christ est irremplaçable. Amen. C'est quelqu'un qui n'a jamais failli. Amen. Qui ne faillira jamais. Amen. Qui est mort d'une manière miraculeuse. Miraculeusement, le ressuscité miraculeusement, nous allons au ciel miraculeusement. Quand les gens prient, Jésus ou rien, Branham ou rien, s'ils ne comprennent pas. Alléluia. Ça, c'est les saints qui les prient sont pour rien. Amen. Tu entends ton amen? Sans Jésus-Christ, celui qui vous donne le travail, ma soeur, celui qui vous a donné le mariage, il vous a
donner les enfants. Cette chaussure est pour ton papa. Il est en train de se tuer. Que sache, que sache, il est en train de se tuer. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a ramassé. C'est lui qui a enlevé mes péchés. C'est lui qui m'a donné le nom. C'est lui qui a fait mon prêtre de côté. Ce Jésus-Christ est incomparable. Il est le tout puissant. Il est le tout en tout. Oh Jésus. Jésus est typifié dans la prière. Pour l'éternité en éternité. L'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden, c'est lui. L'arche de Noé, c'est lui. Le guerrier d'Abraham, c'est lui. Le rocher des âges, c'est lui. Tu n'entends pas une amen. L'arche d'Israël, c'est lui. La vache rousse, c'est lui. Tu n'entends pas des amen. Nous avons du sang des doigts. Et nous sommes venus la tour. C'est lui. Comment il n'y a pas de règle? C'est quelqu'un qui est venu dans toutes les sciences. Vous allez dans la chimie. Alléluia. Il est l'eau de vie. Vous allez dans la physique. Il est la lumière. Vous allez dans la mathématique. Il est le même fini. Vous allez dans le français. Il est l'alpha. Il est le premier. Il s'en est dans l'astrologie. Il est dans le brillant depuis le matin. Je ne vois pas prendre la lumière. Il y a le soleil qui fait ça. Il est celui qui est fait par l'humain. Toutes choses commencent après lui. Lui, il est avant tout le champ. Je vais aller trop loin. Il est même l'image du Dieu invisible. Le premier Dieu d'entre toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses. L'invisible, les invisibles, le trône, la dignité. Tout a été créé par lui et pour lui. Jésus-Christ ou rien, j'accepte Jésus-Christ. Chaque verset de la Bible, tu vois pas Jésus. Si tu ne vois pas Jésus, je n'ai pas bien lu. Alléluia! C'est quoi la Bible dit? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Amen. Quelle était une forme et vite. Est-ce que le Dieu se mouvait au milieu des eaux? Maintenant, dit la vraie tradition, vous ne pouvez pas dire au commencement, Dieu créa. Parce que tu es sujet d'adoration. Oh, avant qu'il soit tué, il faut qu'il y ait des gens qui l'ont, qui doivent l'adorer. C'est vraiment dit la vraie tradition, on devrait dire au commencement était Elohim. C'est lui qui existe par lui-même. Oh, pour exister, il a fallu une femme et un homme. Mais Jésus-Christ, pour le drame, Dieu a créé le vide. Dieu a fait tomber le vide. En parlant de la matrice de Marie. C'est pourquoi nous avons donné la parole. Parlez. Alléluia. Jésus-Christ. Béni, pasteur. Amen. Savait que le Père était où? Amen. C'est Alléluia. Parce qu'il savait que si moi l'homme je faillis, le Père me rattrape. Dès que vous avez la révélation que le Créateur du ciel et de la terre est en vous, l'ennemi le voit. Ce que j'oublie, c'est la vie. Et vous n'aurez jamais peur. Parce qu'à chaque circonstance, vous l'engagez.
Il va prendre le courage de dire que le Dieu qui répondra par le feu sera le vrai Dieu. Ça va dire parce qu'Élie s'affaire que Dieu est bien lui. Même si le faux prophète a invoqué, Dieu appelé Dieu, Dieu ne descend pas. Parce que Dieu était caché dans un homme. Appelé Élie. C'est pour lui l'annonce. Le défi. S'il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. Je ne peux pas me faire des temps et qui ne fait rien croiser les mains. Non. Hier, là où j'étais, une jeune fille est venue à l'église. Elle était au milieu des gens. Le Saint-Esprit descend dans la salle. Ça la prend là-bas, elle bondit. Elle tombe sur l'année, elle veut avancer comme ça. Saint-Esprit dit, je suis avec toi aujourd'hui. Par terre, elle a commencé à rouler là jusqu'ici devant. Qui est dedans là-bas? La sirène. Elle a oublié qu'elle est devant, elle est dans une campagne, elle pensait qu'elle était dans l'eau. Je dis, si vous nagez, mais ça ne passera pas. Allez, toi, sors! Je pars, il est sorti, il est parti. Amen. C'est elle qui amène trois convertis. Elle est devenue évangéliste. Je suis pas là, je suis pas là. Amen. Tu as besoin de quelqu'un pour le délivrer afin que cette personne-là puisse continuer la rédaction. Et la rédaction doit être continuée. Avec vous. Avec mon frère. Pas de témoin parce que Dieu vient d'abord. Je me sens bien. Tu vois les mères de votre mère. Jésus-Christ, ça fait que le Dieu Père, créateur du ciel et de la terre, était en lui. Il savait ça. C'est quoi tout ce qu'il faisait comme déclaration? Jésus savait que ça ne peut pas rater. Parce que c'est pas lui, mais c'est Dieu qui parle. Amen. Amen. Non, donnez-moi encore le mien. Alors touchons seulement. Où l'avez-vous enterré? Remarquez, Jésus-Christ était en lui de Marthe, de Marie et de Lazare. Amen. Frère dit, lorsque le ministère de Jésus-Christ a commencé à s'opérer à Jérusalem, les pharisiens et les saducéens ont dit, ça là, nous n'en avons pas. Nous avons la lettre, hein. Mais lui, là, il a quelque chose de supérieur. Ça, là, nous n'avons jamais vu ça en Israël. Peut-être au temps du prophète Élie, au temps du prophète Moïse, mais dans notre génération, ça, là, on n'a jamais vu. Ah, ben, c'est ce que l'homme connaît comme erreur. Il remercie Dieu pour ce que Dieu avait fait, ce que Dieu fait. Et l'homme ne prend pas conscience de ce que Dieu est en train de faire. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ a guéri un malade. Les gens disent maintenant, lui, ça c'est un Belzéboul. Ça c'est un démon qui chasse les démons. Qui chasse les démons. Je lui dis non. Si Satan chasse Satan, son royaume est divisé. Amen. Vraiment, on commençait à chercher pour attraper Jésus. Je lui dis, mais si je reste ici, je me sens dans la tuer. Je vais chez mon ami Lazare avec Marthe. Abitali. Alléluia. Frère Barnum dit que Lazare était un scribe et Marie avec sa sœur, ils étaient en train de fabriquer les tapis. Les tapis qu'ils fabriquaient, c'était pour vendre et amener l'argent au temple. En tout cas, ils s'occupaient de leurs églises. Leur église. Maintenant, remarquez quelque chose. Pendant que Jésus-Christ est arrivé dans la maison de Lazare, où Lazare était avec sa sœur, le message est dit, il est resté 2 jours. Après, pas finir une vision. Parce que Lazare était malade. Jésus voit une vision que Lazare va mourir. Jésus dit, moi je n'assiste pas quand quelqu'un est en train de mourir. Parce que
moi je suis la vie. Et je suis la résurrection. Car la résurrection et la vie ne peut pas rester là où il y a la mort. La Bible dit, est-ce que vous êtes avec moi? Détournez-moi d'abord un amen. Nous disons un peu quelque chose dans Jean chapitre 11, à partir du verset 21. Ça va vous faire du bien. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était Marie qui oignait de parfum le Seigneur et qui lui essuyait les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Suivez bien. Le Seigneur envoyait dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie de Lazare là n'est point pour la mort, n'est point à la mort. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Amen. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Jésus a dit que cette maladie-là n'est pas pour la mort. Non, mais après Lazare est mort. Si tu étais là, tu dirais que Jésus-Christ est un faux prophète. Alléluia. Mais cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Yes, mais ce n'est pas pour la mort. Amen. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Disons quelque chose. Vous êtes avec moi? Amen. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Il dit, lorsqu'il a pris donc que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était. Il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Son ami, malade, prend les bagages, il s'en va. Si c'était toi, le pasteur a fui. Parce qu'il est incapable de faire quelque chose. Mais Jésus-Christ voyait la vision de la mort de Lazare. Il est parti. Il dit, vous êtes avec moi? Amen. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Et si les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchés à te lapider. Et tu retournes en Judée? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne branche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il ne branche parce que la lumière n'est pas en lui. Amen. Suivez-moi. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Alléluia. Mais je vais le réveiller. Amen. Je vais le réveiller. L'autre dit, mais maintenant on ne comprend pas, tout le monde dort tous les jours. Mais tu vas le réveiller comment? Parce que quelqu'un dort, il se réveille lui-même. Toi, tu vas le réveiller comment? Il me dit, les disciples lui disent, Seigneur, fille d'or, il sera guéri. Moi, je vois quelque chose en boîte là. Oui. Vous êtes avec moi? Amen. Jésus avait parlé de sa mort. Mais il croit qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus l'a dit ouvertement, Lazare est mort. Comme vous ne comprenez pas les sauts, vous ne comprenez pas les paraboles. Je prends maintenant les choses claires. Vous voyez ce que Jésus-Christ a dit là, c'est l'ouverture du sceau. Vous êtes avec moi? Donnez-moi le meilleur. Je dis bien le meilleur. On peut aller? Si vous me suivez, c'est quel verset? Hein? Le 3:13. Jésus avait parlé de sa mort, mais il croyait qu'il parlait d'assoupissement du sommeil. Alors Jésus l'a dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Je suis content parce que je n'étais pas là. C'est pas l'heure. Jésus est parti parce qu'il ne voulait pas le réveiller. Parce
que ça sera facile. Il faut d'abord attendre que l'assassin soit d'abord mort. Mis au tombeau, enterré, et après 4 jours, il y a déjà la décomposition. C'est la même heure, il a commencé déjà à courir. Quel verset? Nous sommes là. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi? Les frères zélés. Hein? Les brebis zélés. Il dit sur quoi Thomas a appelé Didier. Il dit aux autres disciples. Allons aussi afin de mourir avec lui. Ça c'est le zèle. Il n'a pas d'amour. Donc si nous allons aussi mourir avec lui, parce que c'est notre ami, on l'aime beaucoup. On va te mettre au cercle là, tu vas te battre. Oh, mais c'est moi. Alléluia. Oh moi, l'église, donnez-moi la main. Jésus est arrivé trouvant que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Il est au tombeau, ça fait combien de jours? 4 jours. Oh, 4, c'est le chiffre de la délivrance. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ, c'est-à-dire 6 km, beaucoup de chiffres étaient venus vers Marthe et Marie pour le consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe a appris que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise dans la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, oh, amen. Seigneur, si tu étais ici, mon frère, alléluia, amen. Ne serait pas mort. Amen. Cette Marthe connaît les qualités de Jésus. Amen. Marthe savait qu'en Jésus-Christ, il y avait quelque chose. S'il croise la mort sera changée en affaire. Chaque premier dans cette vie doit connaître le niveau du ministère de son pasteur. Vous êtes avec moi? Amen. Donnez-moi le meilleur de votre amen. Maintenant les choses vont changer. Il dit 22. 22. Oui. Quelle foi! Si tu étais là, frère, n'allez pas mourir. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, tu le donneras. Rentre maintenant dans le sceau. Qu'est-ce que Marie visait? La résurrection. Il savait que Jésus-Christ, Dieu le coupait. Dieu le sorcier. Quand il parlait, Dieu disait Amen. Merci mon frère et moi, ça fait 4 jours. Alléluia. Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Quelle confiance dans nos ennemis. Je crois que c'est votre foi dans le parfum qui produit le mien. C'est vous qui devez croire à ce petit don que Dieu a placé en moi. Si vous arrivez à croire à ça, vous aurez le miracle. En soi, ce don-là, c'est pour vous. C'est lui qui veut, il se sert. Je n'ai jamais mangé dans le lima, merci. Alors, il y a là une femme qu'on a mis le code là, une code mystique qu'on a bien attaché. Elle sentait comme une femme là. Ça se serrait là. Je lui ai posé les mains. Dieu semblait avec le ciseau. Même tu as mis ça. Amen. C'est parti de oh, je me sens libre. Amen. La corde est coupée. Amen. Voilà votre Dieu. Amen. Chose, les amis. Peut-être que quand Pelé était vivant, tous les présidents ne le croyaient pas. Amen. Mais aujourd'hui, Pelé est mort. Tout le
que le président veut le voir, ne fût-ce que le corps qui a déjà été là. C'est trop tard. Quand il y a un don au milieu de vous, il faut profiter. Amen. Amen. Moi, j'aime que les brebis me dérangent. Je me sens moins les appels, les frères, les pauvres gentils. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de ça. Comment ça? Tu m'en as essayé une sœur qui a appelé pasteur, prier pour moi, je suis en train de voyager. J'attends les autres rire. Je dis, ah là, et ils sont déjà arrivés à la perfection. Ils n'ont pas de problème. Dieu soit béni pour Paul gentil, parce qu'il n'y a personne qui appelle, c'est que tout le monde est en bon état, en bonne santé. Quand j'arrive ici, regardez les problèmes. Je veux simplement vous dire, il faut saisir la vision. Il n'y a pas d'amen. Amen. Voilà, marque à saisir la vision. Continuons les versets. Allons-y. 23. C'est ça? Amen. Je suis dit. Ton frère ressuscitera. Amen. La sœur va commencer à perdre la foi. Ils ne comprennent pas. La sœur de Jésus lui répondit, Marie, qui le ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus n'a pas parlé du futur. Il a parlé de maintenant. Parce que toi-même, tu as dit, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. Tu n'as pas demandé ça au temps futur. Tu as dit au présent, maintenant même, ce que tu demandes à Dieu, tu accordes. M'appelait, pasteur, vous devez me chasser du mariage. Je ne veux pas au monde, les parents de mon mari se sont levés contre moi. Mon pasteur Moussé, fait quelque chose. Je suis avec maman. Simplement, je me dis là, je me pose ma question. Dieu peut-il répondre à quelqu'un en pyjama? Alléluia! Je suis juste retiré vers le dos du lit, avec le téléphone à l'oreille, la sœur a repéré vers les airs tapis. J'ai dit, sœur, tu me crois que je suis un homme de Dieu? Amen. Je passe la main, je lui dis, écoutez-moi, maintenant même. Amen. Voilà, on appelle ça la recommandation. Sœur, tu crois, fécondation, nous passons, ça nous donne l'aller avec votre mari et tu auras un enfant. Amen. Et toi, à qui elle n'était pas fécondation? C'est autre chose. La recommandation presse même le temps. Parce que c'est l'homme de Dieu qui parle. Lorsqu'un homme de Dieu parle, Dieu dit amen. Je lui sers, je m'en fous avec les dates, les règles, ou des réponses, des bébés ou des ovulations. Je m'en fous de ça, je te donne l'ordre, il y a une recommandation. Après, ça va parler, moi je prie pour toi maintenant, même moi je suis en train de dormir, toi là-bas tu travailles. Elle a obéi à la recommandation. Après deux semaines, elle m'a pu passer dessus en grossesse. C'est tout ce qu'on appelle un homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est Dieu de la chair. Un homme de Dieu qui a l'impression, c'est pas un Dieu humain. Pendant que je me prends le bébé, elle est là. Où est ma fille là qui avait mis les jumeaux? Le moment, comment les jumeaux? Je ne sais pas si elle est là. Quel genre? Amène-toi les mots. Voilà, elle est là. Hein? Les jumeaux sont là. Ils ont calé les enfants. Ils sont à l'école là. La fille là a perdu son bébé. Que veut notre bébé, pasteur? Mon bébé est parti. Mon bébé, pasteur, mon bébé. Je l'ai regardé comme ça. Donc il y a eu la nostalgie, la compassion qui a rempli mon cœur. J'ai dit, ma fille, comme tu as perdu un, je te donne deux. Amen. Ma fille, il ne s'est pas donné mon nom. J'avais dit quoi? Je te donne deux garçons. Non. Et les deux garçons sont des noms. Amen. Je n'ai pas pris Dieu du temps.
Ne dis pas que je n'ai pas dit que tu es dedans. Je dis Jean. Celui qui parlait de toi, là-bas, c'était Dieu. Les murs sont vraiment deux. Amen. Je m'en sens. Amen. Deux. Amen. Je dis bien créé. Amen. 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 Une soeur de la rivière à Libreville, deux trompes coupées. Amen. Le docteur a dit c'est impossible. J'ai dit c'est possible. Amen. Toutes les choses sont possibles dans celui qui croit. Il a dit, le docteur a dit, je ne peux pas faire, j'ai dit, tu feras. Amen. Dieu lui a posé les mains. 130. Les parties dedans. Amen. Quand tu as la confiance, c'est lui qui a le frère de l'enfant. Garçon, un beau garçon. Quand ça vient de Dieu, c'est beau. Amen. C'est le père de l'enfant que l'on adore là. Quand le bébé est né, il a dit, parce que voilà l'enfant. On a regardé, je n'ai pas d'attendre toujours, mais j'ai fait un enfant. Le docteur dit ça, c'est un paradoxe. Après, elle est venue passer, je veux encore. Je dis, tu veux encore? Je te donne. Elle est allée accoucher sans. Donc, deux. Après, elle est venue passer, je veux encore. Je dis, ça, c'est ton don. Toi, tu veux, moi, je prononce pas. Alléluia. Elle l'a fait encore. Enfants, 130. Oui. Elle est morte. Elle est partie avec les enfants qui sont restés. Des beaux garçons. Quand vous le voyez là, ils ont grandi. Regardez les barbes. Vraiment, c'est rempli de beaux barbes là. C'est pas les barbes piquantes là, comme c'est un musulman. Oh my, je me sens bien. Alléluia. Le monde existe, vous voit toujours comme ça. Amen. Continuons. Quel verset? Nous sommes où? 25. Ok. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il est, il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alors Jésus tourne maintenant sa prédication. Il cherche là-bas. Il dit, crois-tu cela? Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Même s'il est mort. Amen. De qui Jésus parlait? De Lazare, parce que Lazare croyait en lui, n'est-ce pas? Amen. Il vivra. Amen. Lorsque Jésus-Christ avait besoin que quelqu'un dise amen à sa prédication. Amen. Le tour de Marie, crois-tu c'est là? Amen. Amen. Nous sommes à quel verset? 20. Crois-tu cela? Elle lui dit oui. Nous renforçons oui par un amen. 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 Seigneur, je crois amen. Que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Amen. Et ajouter encore beaucoup de choses. Et ainsi parlait, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Amen. Amen. Je dis aussi ce soit le maître qui sait du demain. Amen. Le maître qui sait et qui cherche. Amen. Quel verset? 29. Vous êtes avec moi? Amen. Dès que Marie a entendu cela, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Et Juif qui était avec Marie dans la maison et qui la consolait. Et on vient se lever promptement et sortir, la suivi disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Parce que Marie fut arrivée là où était Jésus, et que le vieux tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus le voyant pleurer, elle et les juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit. Amen. Et fut douce, tout aimé. Et il dit, Oula. Si
tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Amen. C'est que les frères de Lazare connaissaient le don qui était dans l'homme. Et ce soir, je dis, la révélation que vous avez sur le don que Dieu a placé en moi vous apportera une solution. Amen. On ne peut pas nous parler comme ça, les gens pensent que c'est de la blague que Dieu vous dit. Il y a des fois, vous n'avez pas besoin qu'on vous impose les mêmes. Croyez seulement ce que prêche, que cela sort de la bouche d'un homme humain. Et Dieu me l'a donné comme un don. Je le sens. Je crois à cela. Alléluia. Je crois à cela. Amen. Mais les choses commencent. Et il dit, où l'avez-vous mis? Où enterré? Où l'avez-vous mis? Comment Jésus va chercher à affronter une grande difficulté comme ça s'il ne savait pas qui il était? Amen. C'est pourquoi le plus grand mystère, c'est de connaître qui est Dieu et de connaître qui vous êtes. Amen. Où l'avez-vous? Où l'avez-vous enterré? Viens et vois. En d'autres termes, allons-y. Voilà le verset le plus court de la Bible, c'est le verset 37. Quand je suis arrivé là-bas, on m'a montré qu'elle vient voir. Que je te dis, ça y est. Qui a ouvert les yeux des affaires. Quand il était là devant un figuier, qu'il a produit un figuier avec toute la foi, là devant la mort, là, il commence déjà à pleurer. Ça veut dire qu'il ne fera rien. Frère, ramassez les pierres. Alléluia. Alléluia. Imaginez qu'on vous a frappé, on vous a donné une bonne gifle. Sœur, tu dis à ce monsieur, attends, moi, je l'appelle mon mari, vous allez voir. Tu lui dis, chérie, alors, Marc, tu avais demandé aussi bien. Où est l'homme? Il dit, c'est celui-ci. Comme le frère a dit, costaud, il dit, le mari, c'est même. Tu ne feras plus la bouche, la serre à la maison. J'entends ma mère. Je suis plus là. C'est toi-même qui as demandé où vous avez vendu. Vous t'avez amené l'amour là. Ça que tu es capable de faire quelque chose. Arrête de pleurer. Mon ami, j'ai beaucoup. Est-ce qu'on vous a appelé ici pour payer? Le malheur, c'est à la maison. Amen. Alléluia. Amen. Ici, ce n'est pas pour payer. Alléluia. C'est pour démontrer Dieu. Amen. Je termine dans deux minutes. Avec l'église, je donne un amen. Amen. Et demain, on va quitter là. Nous allons voir. Là où il est dit, ils sont déjà. Ok? Amen. Oh là là. C'est très bien. Je vais vous lire une carte, deux citations sur le frère là. Ça pourrait faire bien avec toi. Je pense que ça peut changer la chose. Frère Manam dit dans la manchie, crois-tu cela? Chez le 15 janvier 50, paragraphe 57, le prophète dit. Maintenant, je le vois s'en aller donc. Son ministère avait tellement prospéré qu'il a dû être appelé ailleurs. Lazare était resté tombé malade à son absence. Écoute. Dès que Jésus quitte votre maison,
attendez-vous à ce que la maladie frappe. Les ennuis, le chagrin, les déceptions. Voilà, on a dit, vous croyez cela, n'est-ce pas? Amen. Dès que Jésus quitte votre maison, les ennuis commencent aussitôt qu'il est parti. Amen. Je prends deux enfants. Alors, je suis la résurrection de la foi. Ça, c'est un peu long. Ok, dépense. Paragraphe 80. Je peux voir Jésus sortir après qu'il était devenu populaire. Les miracles commençaient à l'accompagner, il désignait les gens et leur disait ce qu'ils étaient. Dieu était avec lui, il se manifestait à lui. Et puis un jour, il est allé habiter chez Marthe. Chez Marthe, Marie et Lazare. Ce dernier était son copain. Alors, quand il est allé lâcher les Lazare, il avait quitté la maison un jour, non pas parce qu'il était obligé, mais parce que son ministère le poussait vers une autre contrée pour accomplir une vision que Dieu lui avait donnée. Suivez, frère, suivez. Il a quitté la maison et aussitôt qu'il avait quitté la maison, la tristesse et la maladie sont entrées. Et quand il quitte votre maison, la tristesse et la maladie est rentrée. Amen. Hein? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Il rentre. Dès que Jésus quitte votre maison, la maladie rentre. Le problème commence. Lorsque nous pensons, nous parlons de la maison, tout le monde est à la fois à un en train de voir sa maison qui le loue là. C'est pas ça. Amen. Dès que Jésus-Christ quitte votre vie. Amen. La haine rentre, tu sors. Très bien, très bien. Alléluia. Correct. Il n'y a pas d'amen. Amen. Quand les inimitiés rentrent, tu sors parce que la lumière est éternelle et ne peut pas cohabiter dans sa femme. Alors, ça me dit, tel que je suis, qui est dans votre maison. Pas de problème que vous êtes dans la vie, c'est parce que Jésus a quitté votre maison. Amen. Juste un petit mot de critique envers quelqu'un. Le Saint-Esprit se porte ainsi. Amen. Chapitre 11. Juste un petit. Il y a des gens qui marchent sur cette terre sans Dieu. Amen. Et ils pensent avoir Dieu. Amen. Il n'y a pas d'amen? Amen. Tel que Jésus-Christ quitte votre vie. Frère Manon dit, lorsque vous abandonnez la parole, vous avez abandonné Dieu. Amen. Examinez là où vous l'avez laissé. Il faut vous emballer pour des choses inutiles. Vous allez laisser l'église. Que les choses se font bien ou pas, vous restez là. Amen. Amen. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, c'est la question de passer qui vous a laissé. Amen. Et la plupart des fois, vous levez les mains pour que nous viendrons à l'église, nous serons fidèles. Ça, ce sont les faux vœux. Amen. Amen. Juste, vous avez trompé votre analyse spirituelle. Amen. Laissez ma mère vers le temps pour que je vous voie bien. Je sors de le voyage parce que vous me permettez qu'on sera à l'église. Amen. Alléluia, alléluia. Il y a prêt. 15 personnes prennent la vie. Amen. 10 personnes, maman. Amen. Et sœurs, courage. Amen.
jusqu'à Amen. Vraiment. Amen, amen. Donc amen. C'est toi qui détruis les limites. Amen, amen. Les papas, les papas. Il vient. Amen. Il vient, les papas. Amen. Mais les connaisseurs. Alléluia. Boudin. Exemple de citation. Le jour où tu iras boudin de te donner ce que tu cherches là, ne fais pas aussi boudin. Amen. Mais changer. Amen. C'est vous qui m'êtes ouvert. C'est les nouvelles que j'entends. C'est les nouvelles que j'avais dit. Est-ce qu'un croyant que le Saint-Esprit peut les tuer? Non. C'est quelqu'un qui a tué dans son cœur. Amen. Je vais prendre quelqu'un qui prêche le grand âme et Dieu. Le place ici prêcher, ça ne bougera pas là. Amen. Amen. Parce qu'à l'intérieur, il y a l'encre. Amen. 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 Il n'y a pas d'amen. Amen. C'est comme si les serres comprennent les choses plus que les hommes. Amen. Amen. Souvent, mon monde n'y a même pas la spiritualité. Vraiment. La plupart des gens qui viennent, non, parce que je suis tombé, c'est, je n'ai rien dit. Mais c'est rare. Oui. Changer. Amen. Amen. Soyez des chrétiens. Amen. Soyez debout. Amen. Amen. Et nos enfants là qui se. Il n'y a pas l'école dimanche. Oui. Amen. Nos enfants qui viennent à l'école dimanche, tu ne peux pas les détourner du passé au cerveau. Jamais. Amen. 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 Ils connaissent qui est leur passé. Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. On est seulement des boudeurs sans le Saint-Esprit. Oh non, non, non. Qui prêche là-bas? qui prêche? D'après toi qui prêches. Ouais. C'est Dieu. Ah, c'est vrai. C'est la vérité. Va à la maison, ne tombe pas aussi. Qui prêche ça? Le cas de la vitre. Ah, c'est fatigué. Va à la maison. Tu veux venir pour moi? Vous savez, Dieu peut vous préserver de beaucoup de choses, amen. Même dans l'église qu'à l'intérieur. Amen. 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 Je ne sais pas, peut-être un jour tu ne veux pas venir à l'église, mais tu sens pas une urgence. Tu dois aller à l'église. Amen. Tu t'épargnes des problèmes. Amen. Amen. Il n'y a pas d'amen. Amen. Parce que Dieu vous aime. Amen. Amen. Ce que je désire avec vous, les frères du bien de l'évangile. Je vais dire bien de port gentil. Croyez-moi, je dis la vérité. Dieu fait accomplir au milieu de vous des grandes choses amen. Que vous n'avez pas jamais vues. Amen. La chose qui vous tue, c'est parce que vous n'êtes pas un. Amen. Amen. Chacun veut faire un nom, chacun veut faire ceci, chacun veut faire ceci. Et Jésus-Christ est comme un église à faire. Le jour où chacun de vous comprendrez que toutes ces brebis, ce sont les brebis d'un seul berger appelé au Seigneur. Amen. Chacun fait un effort pour enlever son influence qu'il a posée comme un démon au-dessus de quelqu'un. Il n'y aura plus de problème. Ce que vous cherchez, vous trouvez, c'est là. C'est quoi aujourd'hui? C'est que pour nous, il y a beaucoup de prédicateurs et d'autres qui ne passent pas la chaîne. Tous sont les prédicateurs de la maison. On n'y allait pas. On ne fait pas ceci. Oh non, non, prédicateur. Faites-moi dire que le peuple de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Amen. Amen. Si vous le détruisez, Dieu ne serait pas content. Amen. 2022, même problème. 2023, même problème. Vous allez où? Vraiment. Si Dieu vous retire.
répondra au Seigneur. Et ça, c'est le ministère, de la destruction. Il n'y a pas de problème. Tu mets la destruction en vous, il met la construction en moi. Toi, tu détruis. Quand je viens réconcilier. Amen.